Station Fréquence, et les bons sur 1350 à vous tous de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine, et bonne journée. Les 73 Daniel que j'ai entendu là dans le lointain. Là. Ah, Dindy 33, la station. Eh, ça fait une demi-heure là que je suis parti, que j'ai pas, que j'ai les conseils. Non, ça fait une Attends deux secondes, les 73, il y a Daniel qui part derrière, attends deux secondes. Voilà, bonjour à tous, bonjour. Ok Daniel, les bots sur 1351, il y a aussi Scooby-Doo, voilà j'ai reconnu la module. Il y a aussi Scooby-Doo là qui est arrivé aussi en fréquence. Ouais Scooby-Doo, les bosses sont 13 à toi, retour du micro. Comment il va aujourd'hui? Ah bah avec le beau temps ça va toujours hein, surtout que bah, je retourne là comme à chaque fois là en ce moment là à Mérignac. Et il y a Daniel qui est du côté de Saint-Médard-Martignas par là-bas aussi là, Senteur. Je suis côté du centre routier, je prends une direction Bec. Ah oui d'accord ok. Et ben là je viens d'arriver en bas du pont d'Aquitaine, je suis en train de passer là au niveau des radars. Ah, coupé des pleux. Attends, j'ai pas compris. Hein. On va se louper de peu. Ah, ah bah oui, effectivement. Bah oui, vu ce que tu viens de me dire, ouais. Non, puis en plus, j'entendais bien Daniel dans le lointain, là, mais c'était assez petit. J'ai en plus pas mal de QRM, là, de mon côté. Du coup, j'ai attendu d'être plus près avant de prendre le micro. Quoi. Oh, ça. Ouais Daniel, à toi le micro. Ouais, là je suis au niveau du lac, c'est assez petit ce matin là Daniel, hein. C'est vrai que c'est assez QRP là de mon côté, et Scooby-Doo là, il est du côté du centre routier en direction de Bègle. D'accord. Putain ouais c'est vrai que là c'est pas épais ce matin. Hein. Putain la vache, là t'es dans un coin là où c'est moyen. Quoi. Ouais, hier soir là j'étais une fois les coups là. Une amie là. Putain, bah toi, ce matin aussi c'est très QRP hein, parce que là, j'ai pas compris grand chose de ce que tu m'as dit. Là, c'est vraiment très très QRP de mon côté aussi. Là. Ouais, j'ai à peu près compris, ouais. Bon, ouais, ben, ce matin, là, c'est complètement fermé, là, au niveau des ondes. Bon, autrement, as-tu passé une bonne journée hier? Ah,
bah là, il n'y a plus rien pour le coup. Hachi. Oui, Scooby-Doo, retour des micros. Alors, donc là, tu t'en vas. Ouais, tu restes au niveau local, là, aujourd'hui, Scooby-Doo. Putain, la vache, de ton côté aussi, là, j'ai du mal à te sortir. Hein. Ok, ouais ben c'est, là aujourd'hui je suis au même endroit que d'habitude, que depuis quelques temps là-bas à Mérignac. Si je te vois passer, je te ferai un petit signe. Et par contre aujourd'hui je suis du côté de l'entrée du site et non pas là où tu m'as aperçu là, une fois là sur le côté là. Donc il n'y a pas de soucis, si je te vois, je te manquerai pas de faire un petit signe. Ok, ça marche. Je vais t'aider, comment je vais te préparer chez mon client. Ah, ok, eh bien, puisque tu es rendu chez ton client, bonne journée. Et à très bientôt là-dessus. Avec grand plaisir. Attention Daniel, retour du micro. Ouais, mais je ne sais pas, les couilles, c'est super, mais je ne sais pas si c'est un client ou une affaire à toi. Ouais, affirmatif, c'est bien Scooby-Doo là qui était. Il vient d'arriver chez son client, là, il vient de passer QRT. Hein. Ok, ben là je suis à quoi? Je suis en train d'arriver là du côté de la sortie 8. Hein. Putain la vache. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est. Hier en débauchant, j'ai fait un petit peu d'écoute. Il n'y avait rien. Si la semaine dernière la propague était là, cette semaine, putain, c'est pas ça, hein, c'est pas le top. Hein. Ah oui d'accord ok ouais bah tu vois je t'avais pas compris tout à l'heure c'était trop QRP aussi quoi. Voilà donc c'est vrai que je remarque Pierre-Michel pourtant si parfois je l'entends très bien quand il fait une apparition dans le QSO du canal 27 mais je l'entends plus quoi. Il est d'un seul coup beaucoup trop QRP pour arriver à sortir quoi que ce soit quoi. C'est bizarre. Ou alors peut-être qu'il se met en mode QRP à chi le soir pour pas gêner qui que ce soit quoi. Ce site devait être très intéressant certainement. Ah chi.
Ouais, je disais, Pierre-Michel, pourtant de temps en temps, je l'entends bien là depuis le QRA, mais j'ai remarqué à chaque fois quand il arrive, quand il fait une apparition sur le QSO du canal 27, hein, ben, je l'entends plus, quoi. Je sais pas s'il se met en mode QRP pour déranger personne ou pas, je sais pas, mais à chaque fois je l'entends plus, quoi. Oui, la station, les 1351 de Dundee 33, sortie 10, direction, direction enfin Mérignac, hein, en compagnie de Daniel Senteur qui est sur, sur Martignas. Voilà, la station, là, bon, on a un bille carrosse, s'il vous plaît, là, j'arrive de Bordeaux. Ok, Daniel, pour prendre la direction bille carrosse, c'est quelle sortie? La sortie bille carrosse, Arcachon, direction Arcachon. Ok, il faut que tu prennes la direction Arcachon, la station. Direction Arcachon, oui. Voilà, Daniel, et après ici la direction de Nantes, là. Il va tomber à Muré, tout ça, et il faut qu'il sorte avant le péage. D'accord, c'est la dernière sortie avant le péage, c'est ça, Daniel? Ouais, la station, voilà, je suis dans les ronds-points en plus, là, de Mérignac. Ouais, faut que tu prennes la direction Arcachon, direction après sud, et tu sortes avant le péage. Ah zut, la station, je suis complètement dans les QRM, j'étais perdu là. Ah zut, c'est bien dommage, pour une fois qu'il y avait un radio-guidage à faire, j'étais complètement perdu. Hein. Daniel, pour le moment, je t'entends plus non plus, je suis en train de passer dans une zone là où il y a beaucoup de QRM. Attends, je suis en train d'arriver sur le site. Hein. Bonjour messieurs, voilà. Ouais, non, je me suis dit si vous êtes allé à ce point-là, attends, ouais, où est la station pour le radio-guidage? Bah, c'est assez compliqué, ça. Hop là, j'ai une coupure. J'ai encore la fiche de micro qui a fait l'andouille. Ouais, oh zut, je bafouille. C'est très très petit là de mon côté. C'est très QRP de mon côté. Voilà, je suis là le Mérignac, route de Martignas. Ou alors Centaure justement te fait dire qu'il faut que tu prennes la direction Arcachon, que tu descends, que tu restes sur l'autoroute direction sud et que tu sortes avant le péage. Ah, il faut que je reste sur la 63 direction Bayonne alors.
Daniel, il faut qu'il reste sur la A63 direction Bayonne. Oui, il reste sur la 63 direction Bayonne, oui. Ok, oui, affirmatif, il faut que tu restes sur la A63 direction Bayonne et que tu sortes avant le péage. Ok, bah écoute, je te remercie la station, la bonne journée à tous les deux. Ok, merci. Les bonnes sont 1351 de la part de Dandy 33 et de la part de Centaure. Voilà, et bonne journée, et bonne route à toi. Merci, Olivier de Starkey 6-2. Starkey 6-2, ok, enregistré. La bonne journée à toi. Comment c'est ça, Starkey 6-2? Alors c'est Starkey 6-2. Voilà, alors qui a dit que les radioguidages n'existaient plus sur la CB? Ah, chi. Ah ouais, non, mais tu vois, voilà. Ok, bah écoute, c'est jamais, si jamais je leur réinstalle, ouais, voilà. Oui, après, c'est vrai que tout ce qui est ouais, il faut qu'ils prennent les landes, quoi. Enfin, ils sont après, ouais, c'est ça, avant le péage, et ensuite, Ouais, ouais, non, mais je fais confiance, il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Hein. Il doit avoir l'habitude. Hein. Bon, c'est une direction qu'il ne connaît pas, mais bon, il fait la route, donc il a l'habitude. Hein. Ouais, voilà. Bon, c'était là, tu peux faire avec les GPS, les téléphones et tout ça. Ouais, mais bon, tu sais, le GPS, il vaut mieux s'en méfier. Hein. Parce que quand je vois les conneries qui se passent avec les GPS, les gens qui écoutent un peu trop à la lettre les GPS, qui se retrouvent avec avec leur semi-remorque et tout, dans des chemins de terre coincés entre... des trucs assez abracadabrants, quoi. J'ai encore vu une photo là dernièrement où ça se demandait ce que le gars foutait là, quoi. Ben, tout simplement parce que son GPS lui a demandé d'aller par là, quoi. Alors que non, c'est là où il l'a envoyé, c'était absolument pas du tout autorisé au camion, quoi. Le chemin le plus court. Ah, le chemin le plus court, il nous a fait passer au milieu d'un terrain militaire. Bon, c'est une voie, hein, c'est normal, mais ça nous a fait passer au milieu d'un terrain militaire. Ah ouais, d'accord. Là, merci pour ça, moi, je me méfie, moi, de ça, quoi. Je préfère avoir les infos comme ça à la CBI. Au moins c'est donné par les OM du coin ou quelqu'un qui connaît, qui est déjà passé par là, ce qui est complètement différent de ces infos assez abracadabrantes par le GPS. Ah bah tiens, je me souviens quand en septembre avec l'YL qu'on a fait le tour de Bretagne. Bon, sur le retour on a longé la côte. Et je me suis dit, tiens, je vais le laisser faire le GPS pour une fois, là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Eh ben tiens, ça n'a pas loupé. Depuis la Bretagne, au lieu de couper à travers jusqu'à chez nous, il nous a fait descendre sur la Rochelle. Et j'aurais continué à le laisser faire. Il nous faisait descendre sur Rochefort et je ne sais pas, il nous aurait emmené comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous avait éloigné de notre destination et je crois que là aussi, j'avais fait prendre le chemin le plus court. Je vais y aller avec la carte par la 137, je pense que je vais y aller par la nationale, ça sera plus simple. Hein. Voilà Rémi, bon, je vois qu'il est 7h29 là, au mobile, je vais te laisser aller travailler aussi, et puis bonne journée, tu n'es pas là, je te dis.
Si justement demain je suis encore là, à aujourd'hui je suis à l'entrée. Hein. Et enfin je pense. Enfin les plannings c'est assez bizarre. Mon planning perso, je suis à l'emplacement habituel. Le planning du site, je suis à l'entrée Hachi. Si demain je suis là, jeudi je suis en repos, vendredi je suis à Bordeneur en nuit. Donc vendredi soir je pourrais pas faire le QSO du canal 27. Hein. Allez, je te laisse, bonne journée à toi et amuse-toi bien, Hachi trois coups. Ok Rémi, salut et bisous à la demoiselle à l'accueil si elle est là. Voilà, allez, bonne journée à toi aussi. Ok, ça marche, bonne journée et à demain matin.